Bonjour, mon nom est Blaise Dubois, je suis physiothérapeute spécialisé dans le traitement et la prévention des blessures en course à pied. Aujourd'hui, notre capsule sera sur le taping neuroproprioceptif dans le traitement de la bandelette iliotibiale. Donc, je vais prendre du tape neuroproprioceptif d'une certaine longueur pour tapisser une bonne partie de la bandelette iliotibiale. Je vais faire à sa partie distale une incision longitudinale. Bien évidemment, m'assurer de couper les coins ronds de cette manière-là. On va faire des deux côtés. Voilà. Et j'ai maintenant mon taping pour l'application de la bandelette avec ces deux faisceaux distales, un sur le tubercule de Gardie, l'autre sur le rétinaculum externe. Je vais donc déchirer mes deux ancrages que je vais pouvoir aller appliquer directement sur ces positions-là. Donc, je vais mettre ma première application sur le tubercule de Gardie, à cet endroit-ci. Donc, c'est mon premier ancrage. Mon deuxième va être sur le rétinaculum externe, de cette manière-ci. Et à partir de ce moment-là, je vais garder une tension sur mon tape au passage au-dessus de l'épicondyle fémoral latéral. Donc, une tension de 75% avant d'appliquer sur le reste de la bandelette iliotibiale mon taping jusqu'à son origine musculaire. Je vais frotter mon tape pour m'assurer d'une application adéquate. Et voilà, le taping est fait. J'espère que cette capsule vous aidera dans le suivi de vos patients coureurs. Si vous désirez avoir plus d'informations sur l'aspect médical et la prévention des blessures en course à pied, contactez-nous à laclinique-du-coureur.com.